Aujourd'hui, je découvre pour vous le Broumont. Suivez-moi. Nous revenons tout juste du Broumont, situé au 107 boulevard Bromont à Bromont. Et c'est une microbrasserie, en fait, qui fait leur propre bière et elle est vraiment incroyable. De plus, d'être une microbrasserie, c'est aussi un restaurant. Alors, vous pouvez aller manger de la tellement bonne nourriture et vraiment, je vous le conseille fortement comme endroit. Alors, quelle sorte de bière on peut retrouver là-bas? Il y en a au moins une vingtaine sur leur menu qu'on peut essayer. Vous pouvez essayer des petits verres au coût de 2 $ chacun et je vous le conseille encore une fois parce que c'est comme ça qu'on peut découvrir beaucoup plus de choses que juste une grosse bière. Sinon, vous pouvez prendre plusieurs échantillons et après ça, prendre une grosse bière de votre préférée. C'est une autre bonne technique aussi. Alors, on a goûté à la framboise et miel. Elle est super bonne. Je la conseille là, surtout l'été, sur la terrasse, au soleil. Elle est incroyable. Ensuite, il y a la Pilsner, qui est une lager allemande. Très bonne aussi. Ensuite, il y a la Wesen. Wesen. Ensuite, on a une brune. Brune anglaise, Naughty Brown. Elle aussi est vraiment bonne. Mais une Irish Ale, Red Ale, ça aussi. Quand on tombe dans la rousse, là, ça là, c'est vraiment dans mes préférés. Ensuite, il y a une blonde. Et ma préférée, c'est vraiment la rousse à l'érable. Ça, c'est un must pour moi. Je pourrais en boire... Non, je pourrais pas vous saouler à ça. C'est un peu trop sucré, mais une bonne bière là, à l'érable, pourquoi pas? On est au Québec, hein? On a bien le droit de boire des bonnes bières à l'érable. Vraiment, ça, c'est ma préférée. Sinon, évidemment, là, la rousse, la Red Ale, elle est hallucinante aussi. Ensuite de ça, j'ai pu prendre une méchante bonne poutine avec... J'ai fait remplacer le fromage en grains avec du fromage en grains frit. Et il y avait les deux types dans la poutine. C'était incroyable. Faites ça, essayez-le. Pour de vrai, ça en valait la peine. Et la poutine, oh, miam, délicieux. Même les hamburgers sont tellement bons. C'est leur spécialité, les hamburgers. Mais je vous conseille pour moi la poutine parce que moi, c'est un must, la poutine. Et elle était incroyable. On a pris aussi des calmars frits en entrée. Et encore une fois, la nourriture était très, très bonne. Le restaurant est merveilleux. Vous voulez aller vous détendre à Broumont? Allez arrêter à la microbrasserie Le Broumont. Je vous le suggère fortement. Et c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!